Salut! Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire comme intro? Ouais, je sais pas. Malaise, on fait ça malaise? Ok, oui, on fait une intro pas trop longue, mais genre try not to cringe. Ok. Ok, non, c'est bon. Déjà? Attends, gars, j'en fais un. Tu fais tout le temps ça. Tu vas cringe? Hey, c'est les malaises de la télévision québécoise 2! Ils sont durs à trouver parce que le monde, ils mettent pas sur Internet. Ouais, les malaises, on veut garder ça quand même secret d'habitude. Ouais. On vous en a trouvé d'autres! Même qu'il y en a qui nous ont donné des idées sur TikTok, sur YouTube, fait que c'est vraiment cool. On a déjà fait ce type de vidéo. Si vous voulez voir la première édition de cette vidéo-là, elle est juste ici. Là? Ouais. Okay. Après ça, vous revenez ici là, pour oui, voir la suite, ça. Ok? Ouais. Ah ouais, Kevin, asti, continue comme ça. Hey, non, tiens, toi là, t'es une freak de ménage. Peux-tu expliquer aux gens pourquoi un jour tu nettoyais les draps comme ça dans notre lit et qu'est-ce qu'on était en train de faire? Explique-nous ça. Non, mais t'es vraiment con! C'est ça la question? Ben non, mais je veux montrer. Il y a des okay, gens qui vont. Non, non, je vais répondre. Vas-y. Attends. On va y répondre. Bon, ok, on était dans le lit en train de faire l'amour. Ouais. J'étais à quatre pattes. Ouais. Il y avait des graines, sûrement les enfants avaient mangé des... Pas la mienne, là. Non. D'autres genres de graines. Des graines de bonnes dans le lit, ouais. Ça me dérangeait. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, donc, wow, la performance de mon chum. Okay. Oh, je suis déconcentré par d'autres choses. Non, il a fait quand même! Il l'a fait tomber dans l'eau quand même, même si elle a répondu comme une reine, même pour vrai. Elle l'a dit, man. À quel point les filles, ça aime pas ça, se faire mouiller les cheveux. C'est tellement niaiseux. Mais respect, c'est tellement honnête, c'est comme tout le monde fait l'amour, en guillemets. Ouais. Pourquoi il a fait vivre ça, j'en viens pas. Ouais, puis pourquoi, mais avec Chazé, on faisait l'amour, puis là, pourquoi pas dire à quatre pattes? Pourquoi elle dit à quatre pattes? Parce que c'est lui qui a dit t'étais à quatre pattes sur le lit, pourquoi? Mais c'est incroyable comme histoire aussi quand même, comme situation, c'est quand même drôle. Je comprends pourquoi Guillaume a voulu le dire, parce que c'était drôle, mais sorti de son contexte, c'est quand même malaisant. Là. Est-ce que dans l'auto, en venant, ils se sont chicanés? On sait pas. Elle a dû dire pourquoi t'as dit ça. Je sais que Jean-Claude est à l'écoute, Jean-Claude est un malade d'hockey, et je me souviens de cette photo avec Scotty, Jean-Claude Demers, Scotty Bowman, Pat Burns. Elle regarde ça toutes les Coupes Stanley. Là. Il y a combien de Coupes Stanley dans cette photo? 11 Coupes Stanley. Et toi, t'en as gagné combien? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? T'as bien raison, ah. Coach. Tu m'as toujours dit de poser les bonnes questions, avoir des bonnes réponses. Ouais, mais écoute, il faut être chance. On souhaite prendre. Yo, je cringe! C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Il s'est fâché? Il s'est fâché. Toi, t'en as gagné combien? C'est quoi le rapport? Quelqu'un qui est comme pas réceptif du tout à ta blague, là? Oh my god! Il a-tu été renvoyé? Je trouve qu'il a bien rebondi au lieu de faire genre. D'être malaisé aussi. Oui. Il s'est rendu compte, hey, excuse-moi, j'ai mal posé mon affaire. S'il y en a de vous qui aiment le hockey, comment vous, a, genre, comment vous avez perçu comment ça? Comment vous avez perçu ça? Parce que nous, on connaît pas ça. Mais adoré. La Coupe Stanley, tu connais, c'est quoi? Oui, oui. Ouais, fait que t'sais... C'est comme une espèce de cup que tu bois dedans. Non, non, mais c'est une diva cup. C'est un. c'est comme le trophée le plus prestigieux de la Ligue nationale. Il y avait toutes des bagues, là. C'était des bagues de la Coupe Stanley, genre. Puis lui, il y en avait fait... pas. Ben, je sais pas s'il y en avait pas. Ah! Je sais pas. Ok, celle-là, c'est un monsieur sur TikTok qui nous a dit d'aller voir ça. Qui va être la prochaine ou la prochaine à deviner qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, là, j'ai déjà écouté ça pendant genre une heure et demie, man. Je sais, quand on faisait des parties avec nos amis, hein. J'étais trop jeune, je pouvais même pas appeler. Moi, là, je pense que mes parents m'avaient dit quelque chose de faux pour me niaiser. Ils m'avaient dit que ces personnes-là étaient comme pris là, puis pouvaient pas sortir. J'espère que vous avez une bonne réponse. J'espère. Que votre réponse se trouve dans une de ces enveloppes-là. Parce que j'ai eu énormément d'idées à date. Mais là, ça me prend plus d'idées. Parce que je veux un gagnant ou une gagnante. Oui, allô? Oui. Allô, votre réponse, s'il vous plaît. Oui. Je vais être grosse puis je te regarde. Je suis désolée, on vous coupe. D'accord, ben, j'espère que vous êtes fiers de vous. Mais bon, c'est pas la réponse que nous cherchions. C'est tellement malaisant, puis je suis tellement désolée pour elle, oh my god. C'est malaisant, mais cringe en même temps. Des fois, il y a des malaises, ça fait comme... Mais là, t'es juste genre, ah, oh, va-t'en. Hey, elle continue, là, elle continue comme si de rien n'était. Bon, c'était pas ça la réponse. C'est vraiment pas la bonne réponse. On va continuer le jeu. Bien essayé, par contre. Bien essayé. On vous a l'oreille. Ce n'était pas la bonne réponse, mais quand même, vous avez fait un bel effort. Mais ils sont obligés aussi de parler sans arrêt, hein, tu sais, c'est l'enfer. Ouais, je sais. C'est une improvisation, hey! C'est une fusillade.
d'improvisation qui dure genre 3 heures. Si vous voulez, venez nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok et on fait de la musique. Donc vous pouvez écouter notre musique sur Spotify. Si vous voulez aussi vous abonner, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment évoluer la chaîne. La preuve, j'ai pas de preuve. Tous les liens sont en description. Un classique. Ah, classique là. C'est trop classique? C'est peut-être un peu trop classique. On n'est pas obligé d'écouter. Ok, la palourde, on la garde une seconde. Moi, ça m'a jamais fait rire. Voici la palourde royale. Voilà, ça, c'est une palourde royale. Tu ris aujourd'hui. Il dit, ça m'a jamais fait rire. Ok, ok, on est bébé là, non, mais c'est juste... drôle cette vidéo. Mais c'est juste dégueulasse. C'est horrible. Je m'excuse là, mais qui a créé ça? Sérieux. Qui a créé la palourde, Guillaume? Zeus. Zeus. Tu mélanges les choses. La voix des océans, c'est ça? Non, ah, laisse faire. Ah, t'es cute. Malaise, malaise. C'est qui d'abord dans l'eau? Neptune. Neptune. Poséidon, ça dépend, genre grec ou romain, si okay. T'es plus un des deux. Attends, attends, je vais aller... on va l'écouter, on va l'écouter. Ok. Oui. C'est ça qu'on mange. C'est ça, on mange celui-là. Même celui-là, tu peux couper, tu fais couille. Celui-là, il faut faire couille. Mais après ça, tu mets dans l'eau. Parfait. Ça, c'est le pied, là, le pied. C'est ça. C'est le pied? Là, là, c'est la tête, là. Oui, OK. OK, on met ça dans l'eau. Tu comptais comme... Jusqu'à... Ouch! Ça me donne le goût de me vêler. J'ai mal au cou, j'en ai même pas! Ah, non. Tu veux pas l'écouter? J'ai failli vomir. On continue. Non, ça m'écarte. T'as vraiment un bijou, là, dans le fond de cette gorge. Et moi, j'aimerais beaucoup t'apporter, en tout cas, mes années d'expérience. T'as une maîtrise, Marjo qui est là, oui, t'as vraiment une maîtrise de ta voix, c'est ça que tu voulais dire, Mario? Imagine, il est comme, ah, oh, je le sais, hein, ta mère chantait avant toi, t'as vraiment un bijou de famille pogné dans la gorge. Les coachs à la voix, faut tout le temps qu'ils trouvent des choses différentes à dire. À un moment donné, c'est sûr, tu dis des choses que tu veux pas dire, là. Oui, 29. Elle est difficile, elle. C'est la plus difficile. Ah ouais? Ah ouais, elle est connue pour ça. Dans le monde du bingo. Ben oui, parce qu'elle vient juste une fois par 4 ans. Ouh, c'est fort, c'est fort. C'est pas le fun de venir une fois par 4 ans, là. Non, j'imagine, hein? Non. Tu connais ça, toi? Non. Non. B4, parlant de 4 ans. Est-ce que... OK, je connais pas cette émission, mais c'est un peu comme Call TV. Mais je comprends pas sa joke, en fait, de 4 ans. Elle vient en 4 ans. Ça comprend pas. Parce qu'il y a, dans une année, combien il y a de mois qu'il y a 29 jours? Je pense que c'est ça. En 4, elle vient juste 4 fois en 1 an, c'est ça qu'elle dit? Une fois aux 4 ans. Une fois aux 4 ans? Juste... La balle, la 29. Pourquoi la 29? I-29. Dans le fond, c'est comme... C'est une balle de bingo qui sort pas souvent, qui vient pas souvent. Mais j'ai un peu de compassion, tu sais pourquoi? Parce que quand il a dit ça à Joe, il a bafouillé. Tu sais, quand on raconte une joke puis qu'on bafouille, là, c'est tellement gênant, hein? Ouais, la joke, comme une fois, des fois, 4 ans, 2 ans, t'as peu, c'est, on a un extra. Ok, vas-y. Il y a un truc qui me rend mal à l'aise, va te le dire avant. C'est quoi gênant qui te rend mal à l'aise? C'est que les gens, pour qu'ils trouvent notre vidéo, faut qu'ils écrivent « Vissoroi malaise ». Ah, merde. Sur YouTube, puis je trouve ça très drôle. Ah, oh, ma date, le 14 février, un bébé de Saint-Valentin en plus. Toi, t'es un 14 février? Ben oui! Hey, je me suis fait flasher un 14 février, moi. Ça c'est rough. On va continuer, Dean. Hein? Oui. On va changer le mal de place. Ah, on va changer le malaise de place. Oh, tout petit, mais il fait pitié, Dean. Il fait pitié, Dean. Il s'est fait flusher à Saint-Valentin. Il s'est fait flusher à Saint-Valentin. Si vous trouvez des malaises, des trucs comme ça, écrivez-les nous, ça peut nous servir pour une prochaine vidéo. On se voit dimanche prochain. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à notre Instagram, TikTok, et bien sûr, abonnez-vous à notre Spotify, il y a plein de nouvelles musiques qui s'en viennent. Puis, si vous voulez nous aider, nous soutenir, vous pouvez nous tipper sur Buy Me a Cat, sur Buy Me a Coffee, on laisse tout ça dans la description. Merci! Bye! Ah, on fait une affaire cringe pour partir. Ok, Monsieur, voulez-vous de la potion? Je suis bonne, hein? Ouais, je suis quand même bonne, pour vrai! Monsieur, voulez-vous vous abonner? Ça, c'était vraiment cringe. Ça, c'est cringe. Si je fais genre... T'es pas cringe. Ah, mais maudit, je suis pas capable d'être cringe.